Quand Michel Christman cuisine sa matelote, un plat en sauce à base de poisson, c'est un peu comme s'il retrouvait le goût de la France. Super. On a vraiment le goût des échalotes, du bain. Expatrié en Inde depuis 3 ans, ce chef étoilé originaire d'Alsace s'est donné pour objectif de promouvoir dans le pays qu'il accueille les spécialités de l'Hexagone. Mais parce que l'Inde inspire aussi désormais sa cuisine, Michel Christman va réaliser pour nous un exercice. Il va décliner sa matelote en 2 versions, puis la fera goûter au client. On va faire une matelote à la française et une matelote à l'indienne, et on va voir qui gagne le match. Pour préparer une matelote, en Inde comme en France, il faut se lever tôt. Avant l'aube, Michel Christman prend la direction du port de Pondichéry. C'est ici, dans l'ancien comptoir français des Indes, que le chef s'est installé. Cette nuit-là, il a rendez-vous avec les sous-chefs des 2 restaurants qu'il dirige. Ensemble, ils vont choisir les meilleurs poissons. Qu'est-ce que c'est celui-là ? Est-ce qu'il peut le mettre dans notre panier et on voit le poids que ça fait ? Et il y a de quoi faire. Après 2 jours passés en mer, ces pêcheurs ont ramené dans leur filet de belles pièces qui intéressent le chef. Ça, c'est des pommes frites. C'est un poisson qui a une chair qui ressemble beaucoup au Saint-Pierre en Bretagne. C'est vraiment très, très fin. Ça, c'est des groupers. Très beaux poissons, similaires au turbo. Il n'y a que des beaux poissons là. Après le port, le marché. Au cœur de Pondichéry, il est un concentré de l'Inde, avec ses couleurs et ses odeurs. C'est ici que Michel Christman va se fournir pour la version indienne de son plat. Bonjour, est-ce que je peux avoir des feuilles de curry ? Cette plante, omniprésente dans la cuisine du sud du pays, le chef a appris à la cuisiner. Ici, c'est simplement effeuillé, c'est mis dans les plats. Mais nous, on a trouvé un procédé pour en faire une huile. On extrait vraiment le goût, la couleur. Et on parfume le plat avec ça, c'est super. En cuisine, la préparation peut commencer. Michel Christman va cuisiner sa matelote avec 4 espèces de poissons différentes. Ce sont les condiments et les sauces qui apporteront une touche indienne ou française au plat. Voilà, on a nos poissons pour la matelote. On a nos 2 garnitures, la partie française avec les légumes d'accompagnement. Et on a ici la partie indienne. Tout commence par la cuisson du fumet qui servira de fond de sauce. Donc là, j'ajoute l'eau. Mais c'est très important que ce soit juste à la hauteur des arêtes. Si on met trop d'eau, on va perdre en goût. On n'aura pas un fumet de qualité. Pour sa version française, Michel Christman accompagne sa matelote de pâte alsacienne, des spätzle, qui ont une fois interpellé l'une de ses clientes indiennes. Une femme de Bangalore, une cliente, qui m'a vraiment appelé, qui m'a dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Elle était vraiment étonnée, elle a adoré. Pour sa version indienne, ses pâtes seront remplacées par ce légume local, des okras, frits. Ils accompagneront un riz. Mais c'est surtout son huile aux feuilles de curry qui apportera une touche exotique. Et là, on a vraiment les odeurs. C'est magnifique, la feuille de curry. Une fois mixée puis passée au tamis, cette huile est ensuite mélangée à sa sauce sur laquelle sera déposé le poisson. Et on a vraiment, vous voyez cette couleur qui vient. On dirait un petit peu comme si on avait fait une sauce au pistou. À l'arrivée, un plat, 2 recettes que nous allons faire déguster aux clients. À eux de dire la version qu'ils préfèrent. En salle, premier coup de fourchette, premières impressions. C'est exceptionnel, vraiment bon. Après dégustation, le verdict tombe. Je préfère la version française parce que le goût indien, je le connais déjà. Moi, je préfère vraiment le plat français. Sur 4 clients... 3 préfèrent la version française. Le plat indien remporte 1 voix, celui d'une Française installée en Inde. C'est pas une nette préférence parce que les 2 plats sont vraiment succulents. Mais disons que pour moi qui suis Française et qui vis en Inde, c'est plus relevé, c'est plus créatif. Des clients qui plébiscitent chacun le plat d'une autre culture
Pour le chef Michel Christman, son pari de créer des ponts entre deux univers culinaires est réussi.